Mrani, l'auteur de la tuerie, était convoqué ce matin à la police de Liège. Il devait répondre de faits de mœurs, mais il ne s'est jamais présenté pour son audition. L'homme n'est pas inconnu de la justice. En 2007, les enquêteurs se rendent chez lui dans le quartier Saint-Léonard. Ils mettent la main sur 2800 plants de cannabis, mais aussi un véritable arsenal d'armes et des munitions en tout genre. Armes de poing, mitraillettes, fusils à lunettes, un AK-47, un fusil FAL et en sa possession également un fusil de sniper valant plus de 3000 euros. Des lance-roquettes sont également découvertes. Pour ces faits, Amrani avait écopé de 58 mois de prison, mais il avait bénéficié d'une liberté conditionnelle en octobre 2010. Aujourd'hui, après son expédition punitive, il s'est donné la mort.